Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais un petit peu sauver les apparences, fermer les portes. En ce moment, c'est le bazar dans plein de pièces de la maison. Je pense que c'est dû un peu... Il y a une partie changement de saison là-dedans. Il y a une partie saturation aussi et il y a une partie nouveau projet. C'est-à-dire que je vous en ai parlé dans un vlog précédent où je vous parlais de l'aménagement des bureaux qui sont dans la maison, dans un coin un peu caché puisqu'on avait allongé une cloison et je vous avais parlé de mon souhait que mon amoureux rallonge la cloison et ça va bientôt se faire du fait que un nouvel arrivant se trouve dans la maison, mais il n'est pas encore en fonction, je vais vous le montrer. Mais on va pas beaucoup en parler dans cette vidéo, puisque voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler pour vous montrer les changements d'aménagement. Le nouvel arrivant, c'est monsieur un poêle à bois. Voilà, un poêle à bois pour tout simplement économiser le coût du chauffage au sol, qui est un chauffage du coup électrique, mais qui est au sol. Donc du coup, c'était pas forcément facile à trouver parce que bah voilà, tout le monde court après les poêles à bois ou poêles à peler. Surtout parce que nous, il nous fallait pas quelque chose de très puissant. Ce qu'on veut, c'est que la chaleur rayonne dans la pièce, dans la grande grande pièce. Hein, je vous rappelle, cuisine, salle à manger, bureau, coin musique, ça fait à peu près 75 mètres carrés. Je voulais que ce soit pas trop lourd parce que bah, sur le carrelage plancher chauffant, voilà, faut pas que ça écrabouille tout, hein, je vulgarise le truc, quoi. Mais voilà. Donc voilà la bête. Je vous en dirai pas beaucoup de détails. Hein. C'est 6 kW, je crois, de puissance. Tubage, voilà, faut faire un tubage au plafond. Et voilà pourquoi on a rapidement trouvé. C'est parce que c'est mon amoureux et un copain plombier qui vont poser la chose. On passe pas par une pose, un sous-traitant, quoi. Mais finalement, le poêle ne va pas être posé là. Et oui, donc je vous en dirai plus plus tard, vous verrez les changements plus tard, mais en fait si on le posait là, où c'était imaginé au départ, ça tomberait pile sous le faîtage, vous savez, du toit, parce que là le poêle se retrouve pile au centre de la maison. Tu ne veux pas percer, ne veut pas démonter le faîtage, hein, je sais pas comment on dit, et il veut pas non plus couder la tuyauterie du poêle. J'ai lancé mon four pour commencer à cuisiner le repas du midi, on va manger tard, je sens, parce que je suis en retard. Et voilà pour les petites nouveautés. Alors, je viens d'ouvrir un colis. Je vais vous montrer le contenu de ce colis. C'est un colis de chez Coro. Vous savez que je suis en contrat avec eux et tous les mois, voilà, je reçois une sélection de mon choix et voilà, je vous en parle. Je vais vous dire ce pourquoi je suis contente de tout ça, ce que je trouve un peu moins bien et on va ouvrir ça ensemble. Du moins, j'ai déjà goûté un truc. Le point fort de Coro, c'est que ce sont des gros formats de vrac en fait, notamment pour tout ce qui est noix de cajou, tout ce qui est oléagineux. Il y a même des fruits lyophilisés que j'ai pris cette fois. Vous retrouvez des snacks, des idées de petit déjeuner avec des gros contenants. Après, à libre à vous, il faut avoir des pots en fait pour après les vider, tous ces emballages. Mais voilà, en tout cas, vous avez toujours moins 5% avec mon code JustineCoro5, je vous le mets dans la barre d'information, vous avez moins 5% sur votre commande avec mon code promo. Donc c'est toujours bon à prendre. Comme la dernière fois, j'ai repris 1 kg de noix de cajou parce que c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup chez nous. On adore, voilà, autant pour un snack et qu'on a envie d'un petit goûter avec mon amoureux mais qu'on n'a pas envie de se ruer sur des bêtises, on va consommer une poignée de noix de cajou. Moi j'aime bien en mettre dans mon muesli, dans mon granola, voilà, des choses comme ça. Et je consomme moi-même, j'achète de l'avoine si vous voulez. D'ailleurs, Coro vend de l'avoine si vous voulez faire comme moi. Je constitue moi-même mon muesli en fait. Je vais mélanger des fruits secs et puis une base d'avoine dans un grand récipient. Je mélange tout. Et là, j'avais envie d'un truc fraise pistache. Donc, j'ai pris des fraises lyophilisées. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je trouve que la couleur est jolie. Mais je suis spécialisée dans l'agroalimentaire. Au poste de qualité en fait et honnêtement en tant que responsable qualité je suis pas sûre qu'un taux de brisure pareil j'aurais accepté le lot me concernant. Je trouve que voilà, on a 350 grammes de fraises qui sont belles. Pour moi, l'usage que je vais en avoir, c'est à dire mettre dans mon muesli, je trouve ça
Ok, mais voilà, moi je travaillerai chez Coro, je suis pas sûre que j'aurais accepté un taux de brisure pareil. C'est ce qui me chagrine. Après, question origine. Je tergiverse un peu, mais je vous ai partagé cette semaine sur mon blog un podcast dans lequel j'ai été interviewée. Il s'agit du podcast L'Assiette de Laetitia Fumex, où on a eu une conversation autour de mon organisation, donc notre organisation au sein du foyer dans lequel je vis, de notre organisation en termes de courses et des repas pour voilà, avoir une alimentation saine et gourmande. J'ai répondu à ces questions, donc c'était voilà, mon organisation, mon alimentation au travers le prisme des questions de Laetitia qui est nutritionniste. Et un truc que j'ai oublié de dire dans mes critères de choix, c'est qu'on regarde beaucoup avec mon amoureux les origines. Je l'ai précisé dans le podcast que mon amoureux et moi, on a une culture agroalimentaire puisqu'on est issus, niveau métier de base, on est issus de l'industrie agroalimentaire. Voilà, l'origine est très importante pour nous parce que aussi on sait par rapport aux audits qu'on a pu faire, aux différentes boîtes dans lesquelles on a pu travailler, les différents fournisseurs et clients avec lesquels on a travaillé, on sait à peu près ce qui est bien et pas bien. J'ai oublié de dire, voilà, du coup, dans le podcast à Laetitia, qu'on regardait beaucoup, nous, les origines. Tout ce qui est certification bio, pour nous, c'est pas seulement un seul critère de qualité. L'origine derrière est très importante pour nous. Et du coup, les fraises, elles viennent Pologne, Turquie, Maroc, Égypte. Et j'ai envie de dire fraises de Pologne, ok. Fraises d'Égypte, j'aime un peu moins. C'est toujours la guéguerre entre les services qualité et les services achats, si vous voulez, achat de matières premières et services qualité. C'est que bah, les services achats demandent à ce qu'il y ait ce zoning large qui soit noté sur les étiquettes. Donc là, je regrette que ce soit pas marqué sur l'étiquette parce qu'un site internet, ça peut bouger. Moi, je demanderais bien à Coro qui marque aussi les origines des produits sur l'étiquette. Les services achats demandent toujours, parce qu'ils sont victimes des difficultés d'approvisionnement dans certains pays de temps en temps, selon les saisons, selon les aléas climatiques, selon aussi les aléas économiques, eh bien, ils sont victimes de tout ça, et du coup, ils ne peuvent pas se contenter à vous dire « Non, elles viendront toujours de Pologne, vos fraises. » Non, donc, il y a ces origines qui sont marquées, et moi, mon lot, je ne sais pas d'où il vient. La responsable qualité qui parle apprécierait que mon origine de mes fraises, là, elle soit notée sur le paquet, et pas seulement sur le site avec... au choix 4 origines. Un critère important que je viens de tester, c'est le goût des fraises lyophilisées, et elles sont très bonnes. Ouais. Alors du coup, le fait de la brisure, je me retrouve avec plein de poussière de fraises sur les mains, et de ce fait-là, je vais avoir de la perte, finalement. Mais ouais, elles sont très bonnes, parce que bah, la problématique de la fraise, de ce fruit-là, c'est qu'il faut bien saisir le degré de maturité qu'il faut pour lyophiliser la fraise, et si on prend... une maturité un peu trop tardive, on peut vite avoir un goût de pourri, en fait, de fraise pourrie, et c'est franchement pas plaisant. Mais là, voilà, elles sont très, très bonnes à mon goût, en tout cas. Même avis sur les origines pour tous les produits, j'aurais aimé que ce soit marqué sur l'étiquette, mais en tout cas, si vous voulez le savoir, c'est quand même marqué sur le site. Des pistaches, elles ont l'air hyper appétissantes, et j'ai très envie de me faire un muesli, fraise comme ça, lyophilisée, pistache, et j'avais envie de me mettre dedans des petites boules comme ça, fraises lyophilisées enrobées de chocolat, mais je croyais qu'elles seraient plus petites. Alors ça, c'est de ma faute, hein. J'ai pris 500 grammes de petites boules comme ça et j'ai pas vérifié comment il est qualifié, et finalement c'était bien indiqué. On n'a pas pu s'empêcher avec mon amoureux de les goûter et on les a trouvées très bonnes. C'est un truc qui est finalement pas compliqué à faire, mais le goût de la fraise n'est pas masqué par le chocolat. La coque en chocolat est d'une taille vraiment agréable sous la dent, donc ouais. Bon, après voilà, je vais les mettre dans un bocal. Et puis, sur mon muesli, j'en rajouterai 2 ou 3. Et ça ne sera pas mélangé en plus petites billes, comme je voulais faire au départ. Mais le goût sera là quand même. Pour le petit déjeuner, pour des encas relativement sains, j'ai pris des galettes de riz, comme ça, au chocolat. Elles m'ont l'air très bonnes. J'ai repris de la purée de noisette. J'adore la noisette, donc forcément... c'est très vite parti à la maison. Et puis vous savez, dans un vlog précédent, j'ai essayé une pâte à tatiner que j'ai complètement ratée.
Donc voilà, j'ai repris des barres hyper protéinées. Je vous ai dit, ça m'arrive une fois par mois de me faire un repas le midi comme ça, où je vais manger ça avec un ou deux fruits, une compote, un fruit, où je vais manger ça avec un yaourt et un fruit. Je vais bien boire et puis ça va me faire mon repas. Si je suis très pressée, si je suis en ville et que j'ai pas le temps de manger, bah, ça va me suffire. Et bah là, je les ai pris par deux puisque on fait beaucoup de choses avec mon amoureux ensemble. Et voilà, je voulais qu'il ait la sienne et moi la mienne. Donc j'ai pris les Bertha, c'est brownie chocolat noir. Et la Erna, c'est chocolat noir cacahuète. Ça doit être très bon. J'ai pris des pignons de pain. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je m'en souviens plus. Oui, pignons de pain, bien sûr. Des pignons de pain parce que j'ai envie de faire moi-même mon pesto maison. On est très riche en basilic dans le potager. Et du coup, avant que la saison se termine et que notre basilic soit gelé, enfin qu'il est trop froid, on va dire. J'ai envie de faire un petit pesto. Je vous montrerai sûrement la réalisation de ce pesto sur Instagram. Ça va être délicieux à mon avis parce que mon basilic est magnifique. Je les ai goûtées puisque le petit détail que je peux préciser qui me convient moi, c'est qu'elles sont pas hyper sèches à fond. Les dernières que j'avais reçues et là c'est encore le cas. J'ai voulu goûter pour vérifier. Donc c'est pas un problème. Hein, il y a juste à les torréfier à la poêle, mais elles sont plus sèches que la dernière fois. Je suis pas allée au Pilates ce matin. J'ai souvent tendance à commencer un vlog le vendredi. Et c'est un peu pas facile comme organisation pour moi parce que après faut que je le monte derrière pour le dimanche et si le samedi on est occupé tout ça, voilà. Je suis pas allée au Pilates parce que je voulais avancer sur ma collection de bijoux l'hirondelle étoile, la collection automne-hiver. Et si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez, en tout cas le compte l'hirondelle étoile, c'est sur le compte l'hirondelle étoile que j'avais publié cette story où j'étais partie marcher, m'aérer l'esprit avec mon chien. Je vous ai confié que j'avais fait des tests. Et que les harmonies de couleurs et tout, j'avais du mal à me décider. Et en fait, mon amoureux me disait c'était bien tout ça. Moi, j'étais là, j'étais pas convaincue. J'ai recommandé des trucs différents un petit peu pour améliorer la chose. Et là, ce matin, j'ai fait mon truc. Je suis arrivée au résultat, mais que je voulais et que je trouve canon. Et du coup, je vais vous montrer les deux versions. J'ai nul doute. Même si deux personnes me disent qu'ils préfèrent leur ancienne version, honnêtement, je pense que la majorité penchera pour la seconde parce que je la trouve tellement canon la seconde version. Il s'agit des boucles d'oreilles que je fais normalement en co-création avec Colette Saprette, mais Colette Saprette n'est pas disponible en ce moment pour la plus belle raison du monde. Et du coup, j'ai décidé de lancer une version verte en faisant la version par mes soins. C'est un produit qui est très compliqué dans la création puisqu'il y a divers éléments qui interviennent, du tissu, du cuir, des perles de verre et des cristaux Swarovski. Et il y a une harmonie de couleurs de toutes ces matières qu'il faut trouver et c'est ça qui est compliqué. Et sachant qu'on commande bien sûr les trucs sur des fournisseurs où on voit les produits sur internet et quand on reçoit les produits à la maison, bah c'est pas franchement facile. On fait un premier essai, c'est pas franchement réussi, et quand on est petit comme moi, c'est vrai que je peux pas me permettre financièrement de faire 50 essais et puis que ça soit seulement le 50e qui soit le bon. Parce que ça coûte cher, tous ces petits essais qui vont pas être vendus, qui vont pas, quoi. Donc, bah, j'ai lancé au bout du deuxième essai, bah, je suis ravie, mais là c'était la satisfaction suprême, et c'est tellement rare chez moi d'être si satisfaite d'un truc que je fais que bah, ça mérite de le dire. Sur fond d'aspirateur, aspirateur robot qui est là, je vous montre la merveille. Je suis ravie. Donc, ces boucles d'oreilles existent en violet, les violettes 2.0. Il y a les nudes 2.0 dans les tons rose et beige. Il y a les nuits noires indigo dans les tons bleu pétrole, bleu nuit. Et voici la version que je vais baptiser Prairie, je crois, parce que vous avez un dégradé de vert. Et il se trouve que dans les cristaux comme ça, c'est pas le vert qui est plus à l'honneur dans les coloris disponibles, et que j'ai eu du mal à avoir une harmonie de couleurs qui me plaisait. Je voulais quelque chose qui fasse automnal aussi. Et je les adore. Elles font plus automnal que Noël, vous voyez, enfin, dans le sens où je suis pas partie sur du vert sapin à part le dos. Pareil, cuir vert, c'était pas forcément hyper easy à trouver. J'adore, j'adore. Et au départ, je suis partie sur une plus grosse diversité de verres. Et en fait, c'est très difficile de marier des verres, j'aurais pas cru. Mais je vais vous montrer la version précédente que j'ai disposée ici. Et qui en plus, j'avais fait un peu trop petite. Moi qui ai dessiné ce modèle-là à la base.
Et du coup, ça aurait dû être la taille. Et puis finalement, elle a commencé à partir sur cette taille-là et on est resté sur cette taille-là. Donc voilà, pour une harmonie dans la collection, bah, j'ai repris finalement cette taille. Et voilà l'ancienne version qui me plaît beaucoup moins de par bah, tous ces verres-là qui pour moi juraient en fait trop de couleurs, trop de couleurs, trop petites aussi. Et voilà, la version. Elles vont, si vous portez du beige, du blanc, du marron, du camel, elles font hyper beau. Celles-ci, je les adore. Il y a un petit dégradé de violet. Et on sait que le vert et le violet sont deux couleurs complémentaires qui se marient très bien ensemble. Et franchement, c'est beaucoup de boulot ces boucles d'oreilles. Et donc, du coup, d'être arrivé à une version qui me plaît, bah, c'est une grande satisfaction et bah, je les aime beaucoup. La sortie de cette merveille, ce sera pour mi-octobre, à peu près. Il faut que je finisse le reste de la collection. Et voyez, je vous laisse seul maître juge. Donc moi, ce sont typiquement mes couleurs hein, de vêtements. Le camel, comme ça, le beige. Et voilà, avec le beige, elle se marie à merveille. Et avec le camel aussi, c'est de toute beauté. Enfin, bref, je suis contente. Voilà, c'est vrai que je me complimente peut-être là, mais... Mais voilà, je suis contente d'être arrivée surtout à l'harmonie de couleurs. En fait, c'est pas, je suis pas en train de dire je suis trop douée. C'est vraiment être arrivée à un résultat harmonieux, c'est une grande satisfaction. Bon, finalement, j'ai mangé cuisine d'assemblage. Ça valait même pas le coup de vous montrer. Monsieur s'apprête à partir à la déchetterie. On a une manie à la maison, c'est que la déchetterie du village d'à côté est fermée le jeudi, mais qu'on a toujours le jeudi des choses à mettre à la déchetterie. Là, nous sommes vendredi, donc on a eu le temps d'y réfléchir, et moi j'ai des trucs à lui donner, donc je m'en vais faire ça. C'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Je vous ai mis là parce que j'ai une voiture très silencieuse, étant donné que c'est une voiture électrique, enfin du moins, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai avancé sur la nouvelle co, comme je vous ai montré, et sinon je voulais faire un point sur ma routine sportive. Donc comme vous voyez, depuis plusieurs vlogs, normalement tous les vendredis matin je vais au Pilates, et pour une fois, là j'avais décidé de ne pas y aller, parce que je me sentais pas bien ce matin, et parce que voilà, il fallait vraiment que j'avance un peu plus côté travail. Plutôt que, enfin, moi je suis en campagne, donc je suis un petit peu loin de plein de choses, c'est-à-dire que faut que je me rende à Saintes pour faire du Pilates, et j'emmène mes enfants à l'école ailleurs juste avant le Pilates. Du coup, voilà, c'est, je pars à 8h avec les enfants, je suis pas de retour avant 11h moins le quart chez moi. Donc autant dire que la journée, la matinée est bien plombée. Donc avant c'était pire, hein, l'horaire de Pilates avant. Là j'ai un cours qui me correspond bien autant niveau horaire que niveau de Pilates en fait. Je suis allée courir hier avec mon amoureux et on a fait du fractionné. Alors je sais que certains ou certaines avaient réagi dans les commentaires, non plus certaines parce que j'ai des personnes qui me suivent qui sont majoritairement féminines. Certaines avaient réagi dans les commentaires en disant oui le fractionné, non ça c'est pas obligatoire de faire du fractionné pour progresser. Moi je pense que pour que je progresse moi, il faut que je fasse du fractionné. Et là mon amoureux m'a fait faire du fractionné hier. Donc fractionner sous-entend pour moi courir bien et marcher, hein, pas courir vite, courir lentement. Moi je fais du fractionné, je cours bien et je marche. C'était dans le but que en ce moment j'ai les jambes hyper raides quand je vais courir, puisque à cause de la canicule, pour vous faire un point du coup sur ma routine sportive, avec la canicule, j'ai pas du tout beaucoup couru pendant l'été. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Enfin, je vois dans mon entourage, moi personnellement, c'était un peu dur d'entretenir une routine sportive digne de ce nom avec les chaleurs cet été. Et du coup, quand je vais courir, j'ai les jambes bien raides, quoi. Mais je sais que pour progresser niveau cardio, moi, ce qui me va le mieux, ce serait de faire du fractionné. Donc voilà. Et surtout, oui, je voulais pas me fatiguer énormément. En faisant comme ça, là, j'avais pas couru depuis dimanche. Dimanche, j'ai fait 8 km. Je vous l'ai partagé sur Instagram en story. Je vais pas faire 8 ou 10 km. Et puis demain soir, j'ai la course, comment elle s'appelle? La course des demoiselles pour soutenir la cause Octobre Rose. Donc, je fais ça avec mon amie Vanessa, que vous avez déjà vu quand je vous parle justement de sport, vélo, footing, tout ça. Très contente de faire ça de nouveau avec elle pour cette cause-là. L'ambiance des courses, c'est vraiment très sympa. Donc,
Je pense qu'il fait tellement beau. À chaque fois, il fait super beau à cette course. Et là, en ce moment, on a des super soirées d'automne. Et je pense que je vais courir en short. Je pense, je me suis épilée hier pour au cas où je voudrais mettre un short. Et puis, on passera la soirée ensemble ensuite avec nos partenaires et enfants respectifs. Et ça sera cool. Ça sera un super week-end. Voilà. Donc là, je vais chercher mes enfants. Et ensuite, gros scoop. Je continue à vous parler là, je trouvais que ça faisait un point de vue différent de la maison. C'est plus un vlog papotage que plein de choses à vous montrer finalement. Il faut que j'aille chercher quelque chose à Super U pour mon travail, quelque chose rayon papeterie. Donc je prends mes enfants et ensuite je vais aller à Super U et on a rendez-vous avec une dame qui passe chez nous pour la fibre, une dame de chez Bouygues. Apparemment ce serait Bouygues qui serait opérationnel côté fibre chez nous et le moins cher. Donc on est ravis parce que en campagne on n'a toujours pas la fibre et ça pourrait nous changer la vie côté travail en particulier pour moi quoi. Et même voilà pour le quotidien maintenant voilà Internet quand on regarde quelque chose à la télé rien que ça. Enfin nous on n'a pas la télé justement on n'a que Internet en fait on regarde des séries Netflix, OCS tout ça. Et du coup, ça nous changerait la vie. D'ailleurs, en parlant d'OCS, j'ai commencé House of Dragons, donc le préquel de Game of Thrones. Je trouve ça top. Et aussi, je poursuis la dernière saison là de La Servante Écarlate, qui est une de mes séries favorites. Et j'adore l'ambiance, toujours autant, de cette série. Les deux actrices phares, donc qui jouent le rôle de June et de Serena. Sont vraiment excellentes. Donc voilà, un pur plaisir de regarder cette série. Bon, je verrai si je vous reprends tout à l'heure. Et regardez ce que j'avais dans ma boîte aux lettres ce matin. J'adore le calendrier de l'Avent, l'Occitane en Provence chaque année. Ça fait partie de mes préférés côté beauté. Et là, on a des dessins que j'adore, assez modernes. C'est très Noël, hein, il n'y a pas photo. L'atelier des saisons. Vous retrouvez. Hop, toutes les cases comme ça. Donc je l'ai ouvert pour voir, mais j'ai pas ouvert les cases, bien sûr. Après, il n'y a aucune surprise en général dans les calendriers de l'Avent l'Occitane, c'est-à-dire que on retrouve les produits phares en format miniature. Mais moi j'aime beaucoup le concept de calendrier de l'Avent. C'est pas hyper écologique, mais tous les formats miniatures, je m'en sers beaucoup pour les vacances. Ensuite, quand on part, c'est très pratique d'avoir des miniatures pour mettre dans sa trousse de toilette. Et voilà, démarrer le compte à rebours de Noël avec les 24 jours avant et puis avoir chaque jour sa petite surprise. Moi, j'aime beaucoup le concept. Et si vous devez en sélectionner un parmi les calendriers beauté, l'Occitane, moi, je suis jamais déçue. Il y a pas mal de crèmes pour les mains, mais moi, je m'en sers beaucoup. Et voilà, ça permet de redécouvrir tous les produits phares, les senteurs phares. J'aime bien. Ah si. Tu attends. Attends. La journée est passée à vitesse grand V. Faudrait que je commence mes vlogs un peu plus tôt dans la semaine pour avoir plus de choses intéressantes à vous montrer. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés au cours de ce vlog. Je vous ai pas montré mon look du jour qui est un peu un non-look. J'ai un jogging un peu upgradé, c'est un jogging IKKS avec une marinière Maison 123, ce sont des anciennes collections. Et là je promène le chien. J'ai mes baskets de running parce que je voulais pas la veille d'une course comme ça être sans activité. Donc je fais 30 minutes de marche minimum parce qu'il va faire noir. Et ça promène le chien pour qu'il fasse ses caca en dehors du jardin. Voilà, et puis il est super heureux. Un chien fatigué est un chien heureux, ça se vérifie bien. Voilà, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas trouvé ce vlog trop nul. Je vous fais des grosses bises. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez me voir un petit peu davantage au quotidien. Et toutes les informations de ce dont je vous aurais parlé sera dans la barre d'informations. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!